La région bruxelloise a fait le choix d'installer son parlement sur le toit d'un immeuble ancien dans le centre historique de la ville. Le parlement bruxellois se trouve dans l'ancien palais du gouverneur de la province de Brabant. Son hémicycle de verre est à l'image de la transparence et de l'ouverture qu'il souhaite incarner vis-à-vis des citoyens bruxellois. Nous voici dans le hall d'entrée avec son escalier monumental encadré d'une frise lumineuse. De la salle des glaces réservée aux réceptions, spectacles, colloques et concerts, nous pénétrons dans la partie la plus ancienne du palais avec la succession de salons. Les salles de commission où se concentre l'activité quotidienne des députés sont ornées d'œuvres d'art contemporaines. En 1989, la région de Bruxelles-Capitale se voit enfin dotée d'un parlement. Il a pour mission d'adopter les ordonnances et le budget, de contrôler le gouvernement et de promouvoir le dialogue entre citoyens et députés. Les débats en séance plénière et en commission sont publics. Les compétences du Parlement sont étendues et touchent directement la vie des Bruxellois. Elles concernent par exemple le logement, la mobilité, l'emploi ou encore l'environnement. Ancré au cœur de la ville et de son histoire, le Parlement bruxellois est le lieu où se joue jour après jour le présent et l'avenir de Bruxelles, ville, région et capitale de notre pays.